新年快乐 Happy New Year, everyone. This week, we join Chinese communities in Canada and around the world to celebrate the Spring Festival and welcome the Year of the Ox. C'est le moment de réfléchir à l'avenir avec espoir et de célébrer un nouveau départ. Et même si on ne peut pas souligner l'arrivée de cette nouvelle année en personne, ça ne nous empêchera pas de célébrer l'année du buffle. The ox is a valued animal. It is seen as hardworking, honest, and persevering. And this year, as we continue to deal with the impacts of COVID-19, I can't help but think of those who are working hard to keep us all safe. Since the start of the pandemic, Chinese Canadians have contributed to our collective effort in so many ways. So as we kick off the Chinese New Year, let's give thanks to the many Chinese Canadians who are stepping up and putting others before themselves. À chaque jour, les Canadiens d'origine chinoise contribuent à bâtir un pays plus fort et plus prospère. From our family to yours, Sophie and I wish everyone celebrating peace, health, and love this year and beyond. Sumning Fai Lok. I would like to wish everyone a very happy and prosperous Lunar New Year. 我谨在这里给大家送上诚挚的祝福，祝大家新春快乐，吉祥如意，牛气冲天。嗨，大家好，我是国会议员董韩鹏，很高兴在这个平台上呢和大家见面。2020年已经接近尾声，回顾全年呢，我相信大家应该都觉得是一个充满挑战困难，很多朋友呢对他们来说是充满着离别之苦的一年，但是同时呢，我们也看到了很多人性的闪光点，互助友爱，在加拿大社区里呢看到很多无名英雄的涌现。勇敢地在保护着我们和我们的家人，在这里呢对他们致以崇高的谢意。2021年应该是一个充满着希望的一年，疫苗的推出呢将刺激着经济的复苏，我相信呢这新年呢将会充满着很多机会和很多答案，希望大家呢能再接再厉，一起努力。在这里呢，祝大家圣诞快乐，新年快乐，谢谢大家。Bonjour， 大家好，我是叶嘉丽，是 Scarborough 爱丁堡区的国会议员。牛年吉祥如意，新的开始，新的希望。祝大家在新的一年里平平安安，心想事成，万事如意。I want to wish everybody at the Montreal Chinese Spring Festival Committee a very happy Lunar New Year. This is the year of the ox, where trustworthiness, strength, and determination are important characteristics. And may these characteristics carry you through the rest of this year. I know we will get through this together, so I hope you enjoy your time tonight. Have a good New Year. 大家好，新年快乐，身体健康。Au nom de la mairie de Montréal, de l'administration municipale et de moi-même, j'aimerais vous envoyer nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année chinoise. Comme vous le savez, l'année 2020 a été éprouvante et en même temps, elle a démontré à quel point notre ville, Montréal, est une ville résiliente et solidaire. Et pour cette nouvelle année, sous le signe du buffle et donc sous le signe de la persévérance et de la discipline, j'espère que nous pourrons voir de nouveaux projets innovants naître et surtout, je suis convaincue que nous serons avancés dans cette nouvelle année avec optimisme.
Et pour cette nouvelle année, bien, je vous souhaite de célébrer dans la sécurité, dans le milieu familial, tout en respectant les consignes sanitaires, pour que cette année puisse être une année de santé, de joie et de prospérité. Bonne nouvelle année chinoise! Salut, Palor! Santé, Kinhong! Pour mes patrons! Dali Jiahao! Bonjour à tous! Au nom de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, au nom de l'administration municipale et en mon nom personnel, je vous transmets nos meilleurs vœux à l'occasion des célébrations du Nouvel An chinois. Je profite de la plus importante fête traditionnelle de Chine pour souligner le lien d'amitié qui nous unit et pour célébrer la part inestimable depuis plus d'un siècle de nos concitoyens et concitoyennes d'origine chinoise. Votre savoir millénaire transcende les époques et vous contribuez vivement à la vitalité sociale, économique, artistique et culinaire de notre métropole. En 2020, nous avons dû faire preuve d'une grande résilience. Je tiens d'ailleurs à souligner le rôle essentiel des organismes et des bénévoles des communautés chinoises qui ont réalisé un travail exceptionnel, notamment dans l'arrondissement de Ville-Marie. La solidarité que vous avez fait preuve en prenant soin des gens dans le besoin m'émeut personnellement. En 2021, nous devons poursuivre nos efforts pour combattre la pandémie et relancer notre économie pour enfin pouvoir se retrouver toutes et tous ensemble. L'année du buffle de métal arrive à point en annonçant force et détermination. C'est ainsi que nous y arriverons. Je vous souhaite bonheur, prospérité et santé. Xin Nian Hao, bonne année. Bonjour, ici Doreen Assad, mairesse de Poissons. C'est avec plaisir que je me joins à vous pour célébrer le Festival du printemps 2021. Tous les ans, ce magnifique événement nous permet de fêter ensemble l'arrivée de la nouvelle année et je suis ravie que nous puissions souligner le tout dans les circonstances que nous connaissons. It is truly, truly a pleasure for me to be with you all here today and although we're gathering from a distance, I have given many thanks to your association and I reiterate it for organizing such an event under the circumstances that we all know. Plus que jamais, je tiens à remercier votre organisme qui a su faire preuve de résilience pour offrir un fier coup de main aux membres de la communauté. C'est vraiment grâce à votre dévouement à enrichir notre vie culturelle que nous pouvons aujourd'hui nous retrouver pour débuter l'année sous le signe de l'amour et de l'espoir. Je ne pourrais penser à une meilleure façon de laisser 2020 derrière nous et de souligner l'arrivée de l'année du buffle de métal. After a tumultuous year 2020, it is with a healthy dose of optimism that we welcome the year of the metal ox. And I cannot think of a better way to celebrate this occasion than to share this special moment with you. I hope I will have the honor of seeing you all in person in next year's Spring Festival Gala. And in the meantime, I wish you all a very, very happy new year. Je vous souhaite une très joyeuse nouvelle année et j'espère sincèrement avec le grand bonheur de célébrer la prochaine année lunaire en votre compagnie. Joyeuse célébration. Please enjoy the festivities. Thank you.大家好，非常高兴在元宵节同大家线上相逢。热热闹闹逛庙会，欢欢喜喜迎新春。我谨代表中国驻蒙特利尔总领馆，对第五届蒙特利尔欢乐春节庙会的成功举办表示热烈祝贺，向主办方蒙特利尔华商会表示敬意和感谢。疫情的严冬挡不住春的脚步，蒙城侨胞们喜闻乐见的庙会不因疫情中断。 华商会克服种种困难，将线下的热闹变成了线上的精彩，将远隔千山万水的朋友聚在了同一个舞台。此次庙会不仅展现侨胞们喜庆的过年场景，还汇聚了国内外众多知名艺术家，不仅完美融合了中西文化，更把冬奥的冰雪精神发扬光大。2022年冬奥会将在北京举行。 北京作为国际上唯一举办过夏季和冬季奥运会的双奥城，将为国际奥林匹克运动做出独特贡献。让我们燃情相约，共赴盛宴，共话冰雪之情。最后，预祝庙会取得圆满成功。
祝愿大家元宵快乐，幸福安康，牛年大吉。À l'occasion du Nouvel An chinois, je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur et de santé. Les années de 月底或二月初，加拿大魁北克仍然是春寒料峭，但祖籍国神州大地却已是春意洋洋地充满了节日气氛。因为传统的中国春节就要在这华人同胞普天同庆的冬春交替时节来临，作为魁北克蒙特利尔欢乐春节活动的一张亮丽的名片。蒙特利尔欢乐春节庙会已经从2017年到2020年连续在华鼎广场成功举办了四届，2021年是五周年。由于新冠肺炎疫情的原因，我们把本届春节庙会移到晚上举办，同样寓意非凡，而且心里别具一格，更方便了所有支持蒙特利尔欢乐春节庙会的各位嘉宾在安全的环境下欢聚一堂，并收看精彩的节目演出。谢谢此时此刻收看第五届蒙城欢乐春节庙会的所有朋友们，在蒙特利尔欢乐春节庙会成功举办五周年华诞之际，回首往昔，让人感慨万千。去年2020第四届庙会成功举办之后，新冠疫情病毒就开始在加拿大肆虐，并对所有人的生命和健康构成了严重威胁。疫情无情，人间有爱。在抗击疫情期间，海内外的华人同胞相互支持，相互加油，共同谱写了一曲血浓于水的颂歌。我们魁北克的华人华侨在这次抗击新冠疫情的上下半场中，更是充分体现了大爱无疆、浴月同辉的掌心中国侨民形象。我们应该牢记所有为疫情捐款捐物而弹洒的辛勤汗水和为牵挂同胞而流下了动情泪水。过去四季轮回里，大家一心抗击疫情的这份团结和努力，是今年欢乐春节庙会里最为鲜艳的、亮丽的一道美好风景和记忆。感谢中华人民共和国驻蒙特利尔总领馆对这个活动的大力支持，感谢126个兄弟社团对我们的鼎力支持，感谢各位朋友们五年来的一路陪伴和鼓励，感谢所有为蒙城欢乐春节庙会付出的义工团队。我仅代表组委会向大家寄以诚挚的谢意，感谢所有艺术家的精彩演出，感谢屏幕前的你，祝大家元宵快乐，健康平安，财源广进。大家好，我是刘芳菲，祝蒙特利尔欢乐春节庙会圆满成功，祝愿各位华人华侨朋友身体健康，阖家团圆。在过去的庚子鼠年，我们披荆斩棘，战胜疫情，我们向每一位逆行者致敬。在崭新的辛丑牛年，我们还要继续奋斗，勇往直前，交出更好的答卷。今年的节目精彩纷呈，歌曲、舞蹈、戏曲、杂技应有尽有，更有多名中国梅花得奖主坐镇，大咖云集，让我们陪您一起欢欢喜喜闹元宵。